Bonjour, Sylvio Morin, propriétaire d'une plantation de pin rouge de 25 à 30 ans. Ici, on a un exemple avec l'agence forestière. On a fait un test, on a fait des barrières à chevreuil. J'ai fait une coupe cet hiver, puis j'ai tout laissé les cimes, les branches, j'ai tout laissé ça par terre pour empêcher les chevreuils de passer parce qu'ils veulent. On fait un test, on va planter des essences nobles ici, différentes sortes de chênes, quelques noyers, des carriers, à travers les cimes. Les chevreuils, ils vont plutôt être tentés de suivre le sentier de débusqueuse, le sentier de skidder, plutôt que d'aller grignoter les essences nobles qui vont être plantées à travers. C'est des recherches qui ont déjà été faites dans le Vermont. Ça donne des très bons résultats. Dans 30 ans, la plantation va être prête à couper. On va arriver ici avec une multifonctionnelle. On va ramasser les pins. Puis les essences nobles vont déjà être assez hautes en hauteur. Ils vont avoir des beaux fûts. Puis ils vont être déjà prêts à laisser monter. On va faire attention pour ne pas les briser. Puis ça va devenir un peuplement d'essences, de chênes, de noyers, de carriers. C'est ça l'idée. En les plantant sous couvert, ils vont chercher à monter et non pas à faire juste des branches. C'est ça l'idée, de faire des fûts de qualité.